Bonsoir tout le monde. Alors, mon petit coup de la semaine. Je viens d'être contacté par une cliente très sympathique, ma foi, mais qui, pour faire des économies, a préféré faire appel à un photographe amateur pour son mariage. Cette personne m'avait contacté il y a un an à peu près pour devis de sa prestation pour toute une journée. Elle ne m'a jamais répondu, que ce soit pour un oui ou pour un non, hein, comme ça arrive bien souvent. S'il vous plaît, répondez-nous. Et puis, en fait, elle n'a plus son, plus l'image de la personne avec qui elle avait fait affaire. Donc, un mariage à 300 euros pour une journée entière, c'est top. Donc, sachez que déjà, j'ai pas pu puisque j'étais pas disponible lui répondre favorablement. Ensuite, cette personne a versé un acompte et donc ne peut pas se retourner contre cette personne-là, puisque elle-même a embauché quelqu'un illégalement, puisque c'est du travail au noir. À savoir, sachez que nous, professionnels, on vous fournit contrat pour vous protéger, vous et pour protéger moi. Les acomptes, il y a facture qui est forcément établie, donc qui vous couvre aussi. Et nous, photographes professionnels, nous sommes également assurés. Donc, en cas de problème, quoi que ce soit, qu'on ne puisse plus participer à votre mariage, l'assurance m'aide à rembourser ce que vous m'avez versé. Voilà, déjà d'une. Et surtout, le plus dangereux, c'est que ces amateurs, donc, n'ont pas d'assurance. Donc, si jamais ils font un accident, commettent un accident ou ont des déboires pendant votre mariage, ça va vous coûter très cher. Très, 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 très cher. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de du soir.